Alors, heureux de vous retrouver, toujours ce 5 mai 2020, 16h49, qui avance et qui avance et qui avance. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Pendant ce temps-là, je viens de recevoir un lien qui m'a amené à une information assez intéressante d'un abonné qu'on salue. Et ça concerne la Syrie. Et ça concerne, il y a eu des frappes israéliennes il n'y a pas longtemps, et ça concerne la Russie, qui est impliquée là-dedans aussi dans cette région-là. Et ça pourrait devenir un peu plus chaud dans les jours, les semaines qui viennent. On sait qu'il y a une situation particulière en Israël aussi avec un gouvernement de coalition qui est contesté devant les tribunaux. On verra ce que ça va donner. Et qu'on veut annexer la Jordanie, c'est-à-dire le Jourdain, ou en tout cas cette région-là, hein, et que Benny Gantz aussi est pour cette annexion-là. On va voir la tension qui va augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce secteur-là. Et là, on apprend, selon Presse TV, hein, ce lien qui m'a été envoyé par l'abonné en question, que la Russie ouvre Nemim à l'Iran. Donc, et si Fatah 313 débarquait en Syrie, on peut voir ici le fameux missile Fatah, ou Fateh 313 iranien, bientôt tiré contre Israël. La Russie vient d'ouvrir sa base ultra-protégée de Mianmin au vol iranien. C'est une base qui abrite, outre les ESK-400, les batteries de missiles de courte portée Iskander. La Russie prendra-t-elle part à une riposte balistique siro-résistance, désormais parfaitement plausible, contre Israël? Première frappe israélienne contre la capitale syrienne a été plus qu'un fiasco, la DCA syrienne ayant sorti de belles surprises. Lundi 4 mai, donc hier, vers 11h locale, la DCA syrienne a puissamment repoussé la quatrième frappe israélienne en 15 jours, cette fois dirigée contre Al-Safira, le centre de recherche militaire de l'armée syrienne dans la banlieue est d'Alep, pardon. Trois explosions dans le ciel, trois missiles anti-missiles syriens, trois missiles Delila détruits. Alep, c'est le haut lieu de la résistance en Syrie, et la frappe, comme toujours, peu efficiente d'Israël, que la presse sioniste ne tardera pas à ressortir ou à assortir d'un supposé lourd bilan des pertes des milices pro-iraniennes, voire carrément iraniennes, vise surtout à faire beaucoup de bruit pour rien. Il s'agit de prouver, au moins médiatiquement, qu'Israël existe toujours et qu'avec une armée au point mort, il a su préserver sa puissance de nuisance. Mais c'est sans compter avec l'intelligence stratégique de la résistance. Mardi, des sources militaires russes ont fait état de l'atterrissage des premiers avions militaires iraniens à Mianmin, base aérienne super protégée de la Russie à l'est de Latakia. Avia.pro, qui rapporte cette information, y voit littéralement un défi poutinien à l'adresse d'Israël. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu aussi, que Poutine est très près de Benjamin Netanyahou et ont souvent été vus ensemble. Donc, tout ça, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, hein, tu sais. Mais enfin, vu que ce dernier n'a cessé de passer outre les accords aérien avec Moscou en Syrie et surtout de tenter systématiquement de forcer la DCA syro-russe. Donc, russe, pardon. Donc, on sait tous que ces gens-là sont tous accoquinés, plus ou moins. Hein? C'est tous le même monde, que ce soit au niveau de l'autorité palestinienne, des Israéliens, des Syriens, des Irakiens, des Russes, des Américains. Tout ce monde-là ont un seul objectif, c'est de régner en maître, puis de continuer à régner en maître sur leur population et le monde, puis à se partager le monde. La base aérienne de Mianmin, ouverte à l'Iran et à la résistance, cela veut dire que les missiles israéliens devraient désormais viser directement la Russie. S'ils ambitionnent de contrer l'Iran, mais cela veut dire aussi que la guerre sans merci de l'axe de la résistance contre Israël et les États-Unis qui s'étend sur un vaste front allant de la Syrie en Irak ou des bataillons de... mènent sur la quasi-totalité du territoire irakien la vie dure à l'Amérique et à ses efforts d'achéistes. Voilà le ralliement pur et net d'une Russie désormais non hésitante au camp de la résistance en permettant à l'Iran d'utiliser la base aérienne de Mianmin. La Russie a défié Netanyahou, soulignant littéralement qu'une seule tentative d'attaquer la base aérienne militaire russe en Syrie
quelles que soient les circonstances, conduirait non seulement à la destruction d'avions israéliens, mais aussi à des frappes contre Israël, même, affirme le spécialiste Davia Pro, une riposte balistique résistance russe contre Israël n'est donc plus à écarter. Lundi, les sources russes rappelaient à la bonne mémoire du régime israélien, et non sans raison, la présence de la base russe en Égypte, où la Russie a planté deux super puissants radars propres à intercepter les avions les plus sophistiqués que possède Israël, à savoir les F-35, à la phase de décollage, soit à quelques 1100 km de distance par rapport à la cible à atteindre. Certains observateurs y ont vu un signal de soutien non seulement à la Syrie, mais aussi à l'Iran, dont la guerre anti-US et anti-Israël entre dans une phase délicate. Après tout, une riposte balistique d'envergure contre Israël semble finalement être l'unique option pour faire cesser les sorties agaçantes de l'armée de l'air israélienne, et une participation russe serait la bienvenue. Israël qualifie d'opportunité une guerre US-Iran en 2020. Est-ce le cas? Les analystes ne sont pas unanimes, surtout depuis le lancement du satellite militaire Nour et sa mise en orbite. Mardi toujours, Al-Masdar rapportait une autre information de taille, l'entrée d'un méga convoi militaire russe à Deir ez-Zor. Le convoi, avec à son bord des éléments de la DCA, aurait coupé les positions de l'armée US sur l'est de l'Euphrate pour débarquer dans une localité non loin des champs pétroliers et gaziers de Conoco et d'Al-Omar, où des attaques anti-US ne cessent de se multiplier. L'armée russe a contourné les barrages routiers américains situés dans toute la région pour atteindre Deir ez-Zor. Les experts n'excluent pas que la Russie envisage de créer dans la province une base militaire permanente en contrepartie de celle que tentent de s'offrir les Américains. Cette base, la Russie la créera évidemment pour contrôler les agissements US sur les frontières avec l'Iran au moment où la bataille US résistance bat son plein à Al-Anbar et à Al-Masdar News, citant des sources russes. Et Al-Masdar News, pardon, citant des sources russes, dit « Cela vaut la peine de déployer des systèmes de défense aérienne russes à Deir ez-Zor, ne serait-ce que pour briser en morceaux la furtivité américaine et faire perdre aux USA leur supériorité aérienne en Syrie orientale, une base russe. Cela veut dire aussi la possibilité pour la Russie de bloquer les convois militaires américains et d'empêcher ces derniers de grossir en Syrie méridionale et centrale. » Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. C'est sûr qu'on s'en va, mais tout ça, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, parce qu'il y a beaucoup de, qu'en dira-t-on, il y a beaucoup de propagande là-dedans, hein, et de fabulation. Donc, il faut y aller avec vraiment prudence. Mais c'est certain que c'est un conflit qui n'a pas fini d'alimenter, hein, les réseaux sociaux et les médias. Et les politiciens s'arrangent pour qu'on garde ça dans le haut de l'actualité, parce qu'on sait que ça inquiète les gens et on aime ça inquiéter les gens. On verra bien jusqu'où chacun a le courage d'aller, mais je pense pas, parce que si on avait eu à avoir un conflit, si vous voulez ma petite goutte de sagesse ici, il y a longtemps, toutes les raisons auraient été trouvées pour finalement avoir une vraie confrontation, mais si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'en veut pas vraiment. Si vous voulez vraiment, ce que mon petit doigt me dit, ben c'est ça. Je vous reviens.